ce projet Valtram, qui est attendu depuis très longtemps par les 60 000 habitants de ce territoire, eh bien, va enfin voir le jour grâce à ces financements que nous avons pu obtenir, grâce à une partie du milliard qui sera attribuée justement à désengorger toute cette vallée et utiliser une voie qui est une voie aujourd'hui désaffectée. Donc ça rentre tout à fait dans la préservation aussi de l'environnement. On va démarrer en tout début d'année la première pierre, on va dire, le premier rail, hein, le premier bout de rail, on va dire. Et puis on finira on va dire tout début 2025, soyons un petit peu plus prudents. Si on peut avant, en tout cas, on accélérera au maximum. C'est vraiment pour tout notre territoire, voire pour toute notre métropole, que ce développement donc, de transport en commun, en site propre, donc ce Valtram, est important. C'est fondamental que le long de cette vallée de l'Yvonne, qui est encombrée, on sait qu'il y a un trafic qui est très très important, et bien on puisse mettre des outils comme donc, un tram ou un bus à niveau de service, comme on va le faire sur une autre partie d'Aubagne dans quelques mois, et bien on puisse avoir ces deux éléments qui se raccordent. Et je crois que c'est important aussi pour nos concitoyens de savoir qu'ils peuvent se déplacer. Les bouilladiciens pourront venir sur le marché d'Aubagne le samedi et vice-versa. Une meilleure qualité de vie pour nos concitoyens, et je dis bien les concitoyens du territoire, mais aussi une qualité de vie dans les déplacements du quotidien. Quand on sait qu'en plus en ce moment, on voit flamber le prix de l'essence. Pour un foyer, pour une famille, dépenser 300 ou 400 euros rien qu'en essence pour des déplacements, eh bien il faut anticiper tout ça et il faut permettre que les déplacements en transport en commun puissent se faire de manière la plus facile possible.